En tête de la partition figure ce schéma visuel divisé en 15 séquences, numérotées de 1 à 15, et dont les numéros se retrouvent dans la partition. Le schéma tient donc ici la place du thème dans les variations traditionnelles. Il s'en distingue par son caractère exclusivement visuel et suggestif. Les trois lignes horizontales figurent approximativement les hauteurs, grave, médium, aigu, et chaque séquence n'en est qu'une réalisation au sens plus ou moins large. Si l'on suit l'écoute sur le schéma, on peut observer que, par exemple, la séquence 6 est une contraction, une précipitation de la séquence 1, qui se trouve inversée dans la séquence 13, dans une tessiture plus élevée. Les décrochements en escalier des séquences 2, 4, 11 et 15 sont des canons, simples pour 2 et 11, doubles pour 4 et 15. La séquence 3 est une amorce de 5, dont l'inversion donne 10, avec un rappel en 14. La séquence 8 et son inversion, la séquence 12, sont des pluies de notes. Les curieuses figures de poissons de la séquence 7 sont des images de ventres et de nœuds d'ondes, tournant le plus souvent autour d'un son central, mais ce peut être aussi, comme dans l'hommage à Stockhausen, autour d'un gonflement-dégonflement d'une dynamique. Les séquences 9 et 10 empiètent l'une sur l'autre, tandis que la 9e se prolonge par 3 résonances ou rappels, la 10e est annoncée par 3 amorces pour être finalement énoncée dans son intégralité. Cette façon de faire, certes un peu complexe, permet à l'interprète de fabriquer ses propres variations, car il suffit qu'il enchaîne des éléments de son choix dans l'ordre indiqué, de 1 à 15, pour qu'une variation soit complète. Les grandes ombres qui planent sur cette œuvre sont celles de Domenico Scarlatti, du Beethoven des Variations Diabelli, et de Stockhausen, qui reçoit en outre un hommage explicite dans l'une des séquences numéro 7. Thank you.
Thank you.